La famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Tout dépendamment de qui l'a écouté, n'a pas gardé et recevra tranche information ça sous Chanel Maman Pemba Messac News, une chaîne qui l'a pour informer de tout ça qui a passé ici dans le pays d'Haïti à Claude Baudelot. On pas oublier toujours dire c'est toujours un plaisir, un honneur pour nous capables informer. Avant nous vider information sur vous, n'a demandé pour garder en bas vidéo un petit bouton qui marque s'abonner si téléphone en français et puis subscribe si li en anglais, pas oublier activer petite clochette notification. C'est seule façon ou capable rester connecté Maman Pemba Messac News. Avant nous continuer, n'a saluer tout le monde qui a regardé nous, tendez nous en Haïti et ou même grand compatriotes qui à l'étranger ou même qui États-Unis, Canada, Chili, Brésil ou même qui en République Dominicaine, y a une grosse salutation pour vous même. Et bien sans plus tarder mesdames et messieurs, en nous rentrer nan causé à mesdames et messieurs, bonne audition parce que gien causé nous doit tendez nous même parce que pays d'Haïti mesdames et messieurs son pays spécial. En écoutez mesdames et messieurs. Bienvenue sur Information sur Haïti. Président dominicain qui c'est Luis Abinader prenant niche pour mes peuples haïtiens. Ancienne première dame de la République d'Haïti qui c'est Madame Martine Moïse foué bouche dans cause. À maman petite Marie-Vente. Claude Joseph, jeune allié, jeune soutien, jeune acolyte du cavalier Paul Calme qui c'est exactement Madame Martine Moïse peuple haïtien. Ah, li pas facile pour Luis Abinader. Nous comprenons que ou sous territoire ou la caillou justement on va traquer des haïtiens, mais effectivement tout haïtien doit prendre responsabilité, quitter tout ça que tu as fait en Dominicaine, filer manchette, prendre direction pays d'Haïti. La caille c'est la caille, pas passer la caille pas haïtien. Martine Moïse s'est invité spécial dans un forum international, un forum tête chargée qui titré Forum Montana grand forum Montana dans pays là Suisse peuple haïtien. Je dis à la même pour madame pour prendre la parole dans pays la Suisse. C'est gros causé oui. Bureau communication ancienne pour madame qui c'est madame Martine Moïse déjà sorti note côté que on parlait de résolution 2653. C'est gros causé oui, faut qu'il touche les oligarques corrompus peuple haïtien. A rien l'autre possibilité, l'autre en difficulté, la Dominique a tracolé, a déporté au mal, comme si, y a battu, y a, comme si, ou pas rien l'autre possibilité, c'est filer manger tout, prendre direction pays d'Haïti. Moun qui faut pas qu'à vivre Haïti, a, pour marcher sous lui, pour bailler solution ça, avec problème ça, définitivement. Ou prend le temps de causer dans l'émission ça, prend responsabilité, parce que qui choy prend le parler. Je vous donne exactement 17 novembre 2022. Info bientôt à l'appareil. En avance. Haïti Fonsum, c'est Kounia, criminel, assassin politique dans le pays d'Haïti, qui a un problème. Eh bien, bataille que les États-Unis d'Amérique ont mené contre les politiciens traditionnels dans le pays d'Haïti, l'hypoco campé peuple haïtien. Les États-Unis d'Amérique exigeaient Ariel Henry pour que lui retire depuis ce monde qui a 5 ans dans la diplomatie, surtout pour ça qu'il a caillé. Elle même baillon liste monde même qui dans la diplomatie haïtienne aux États-Unis d'Amérique. Li mande pour Ariel Henry retirer tout moun sa rappelé yo voye l'autre moun parce que tête sa yo pas bon surtout pour moun que politicien que le sanctionné yo te mette dans diplomatie haïtienne. Est-ce que nous entendez bien? Ariel Henry gen problème après les États-Unis d'Amérique fin exiger Ariel Henry révoquer ministre justice là qui c'est Dorsey Berto qui dans droit que le sanctionné que le retire visa qui n'a pas fait exam. Il demande de le révoquer. Ministre intérieur, qui c'est l'itkitel qui n'a kidnapping, parce que pas oublier, l'itkitel te kidnappé Zamil, qui c'est Pasteur Frère Michel. Pasteur Frère Michel, il a un passeport américain, ça veut dire qu'ils sont américains, d'origine haïtienne. Et bien justement, il a porté plainte dans le FBI pour l'itkitel. États-Unis d'Amérique qui noté. Des CPJ te produit rapport, il a tout donné. Mais justement, les États-Unis d'Amérique exigeaient Ariel Henry pour que lui révoque tout M. Sayo dans le gouvernement. Là. Parce que M. Sayo, il n'a pas le droit de représenter le monde. Eh bien, peuple haïtien, je dis, je m'a dit honnêtement, Ariel Henry là, comme il y a un monde qui l'a soi-disant, pour une cité non. Mais Ariel Henry n'est pas dirigeant rien dans le pays. Là. Sauf que les gens coalition d'assassins de Edol, les gens groupes volants qui sont dans l'État, il y a volant normalement, tout le monde constate qu'il y a volant. Mais justement, c'est blanc qui a dit mais tout ça pour faire dans le moment. Blanc a dit mais tout ça pour faire dans le moment. Ça veut dire que Ariel Henry sont pour pétrole complètement. Alors c'est normal parce que, nous disons ça clair. Blanc fin tout, il y a un président de la République qui était élu démocratiquement.
qui t'a bataille pour qu'elle te fait élection. Et blanc, t'es vraie élection, il t'a supporté pour qu'elle fait élection. Et mais nous-mêmes, qui pas jamais t'es vraie élection, nous pas voulu changer la constitution. Et mais nous organiser nous tuer le président ça. Et mais justement, l'on vient prendre pouvoir, ou même comme assassin blanc qu'on est évidemment, ou dans complot pour détruire le président, de faire tout yel, avec l'équipe ou. Ou bien plus bon allié ou, cavalier pour le corps, bras droit tout. Qui t'en décaille président même dans le moment, assassin tout yel là. Il a cherché des documents pour porter baou. Documents pillation. Mais justement, blanc lui-même, l'arrivé là, blanc, ou c'est meilleur monde pour lui. Qui pour aider, il joue tout ça qu'il a besoin. Donc c'est mon qui pipe pas propre. Mais évidemment, blanc vient, ouais, définitivement, l'autre pays, par exemple la Chine, la Russie, a constaté échec les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti. Eh bien, les États-Unis d'Amérique a observé qui gens que manifestation a fait dans le pays d'Haïti dans les derniers temps. Parce que vous avez les Haïtiens, capaïtien, ancien sénateur Maurice Jean-Charles, mettez moun nan la oui. Moun sa yo avec drapeau la Russie sous dos yo. A demandé coopération la Russie, la Chine. Voyez les États-Unis d'Amérique aller. Yo fait manifestation dans Port-au-Prince. Yo gen drapeau la Russie sous dos yo. Yo petit recon style drapeau la Russie. Yo débarqué dans tabar, y a demandé coopération la Russie, nous pas besoin États-Unis. États-Unis d'Amérique a noté parce que pas oublier. Yo focus sur média en ligne yo. Là nous parler. Yo gen des moun k'ap tande et traduit pour yo. Ça veut dire yo comprendre ça k'ap passé. Qui revendication k'ap passé dans plateforme média en ligne ça yo que ici ça va parler comme ça, qui que yo a fait réseau social chauffer comme ça. Qui ça k'ap parler? Yo focus sur lui. Et ça cause leur font déclaration, yo noter pour yo. Y a analyse son dire, leur bail information. Yo suivre lui. Yo regarder si c'est menti ou bail, si pas diversion en fait. Yo comprendre nous. Quelque part, justement, mon côté, il a mis un archive pour vous. Parce que tôt ou tard, déclaration que vous avez fait dans les médias en ligne, il y a des conséquences. Ça cause, si vous n'avez pas pris comme si à assumer responsabilité ou du moins sous pas propre, ou pas capable de faire travail que vous avez fait là. Parce que tôt ou tard, il y a un tapou. Parce que vous n'avez pas continuer. Parce que c'est mon monde, vous avez un bas ou mouillé, vous avez tout en manche, ou pas capable de continuer pour faire bataille ça. Et mais justement, papa, ici, nous pouvons parler qui est ensemble avec vous. Il y a pile de paroles qui ont parlé dans la République. C'est des gros causes qui ont eu, justement, on va l'entendre tout à l'heure. Et dans l'émission, ça, nous allons entendre plusieurs séquences. C'est des gros bouts d'informations. Mais entre-temps, restez là. Docteur Claude Joseph, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien chargé d'affaires, ancien premier ministre dans le pays d'Haïti sous la présidence de Jovenel Moïse pour un petit bout de temps. C'est exactement sous PM Claude que assassin criminel qui est en politique, assassin criminel qui est dans l'église, assassin criminel qui est dans le secteur privé des affaires, assassin criminel qui est dans tout secteur dans le pays, il y a eu un accord. Il y a un accord côté que pour tout mettre tête ensemble pour prendre une grande décision. Qui décision qu'il y a? Décision que pour être assassiné 58e président d'Haïti qui est le président Jovenel Moïse. Docteur Claude Joseph noté les suivent, les fait retrait. Dans un premier temps, il était peur parce que c'est moun normalement. Mais quelque part, il y a une pile pression qui était faite pour que il te remette pouvoir 13 jours après assassinat qui fait sous président PIA, qui c'est président Jovenel Moïse. Ça veut dire qu'exactement 20 novembre 2022, pas oublier Jovenel Moïse, assassiné 6-7 juillet 2021 alors. Et pardon, on a dit que Ariel Henry recevait, Claude Joseph remet Ariel Henry au pouvoir le 20 juillet 2021, 13 jours après assassinat président Jovenel Moïse. Peuple haïtien, écoutez bien. Jodi an là, il y a une situation qui a développé l'autre bord frontière noire
qui c'est la caille voisin nous en République dominicaine. Côté que président dominicain qui c'est président Luis Abinadel qui c'est descendant libanais, faut que nous clair sur ça. Côté évidemment monsieur clair sur ça. Faut qu'il déporte tout haïtien qui vivent sous territoire là. Dans moins qu'une semaine, Luis Abinadel prend plus passer 3 décrets. Décrets contre haïtien. Côté qu'il prend décret, il baille mandat avec des policiers, l'armée dans pays ça pour quelque soit côté croisé avec haïtien, prend le marel, boue le machine. Après, on a compris qu'il y a des documents, visa quelconque. Tout le monde connaît. Sauf que Maril, Trakel, ou j'ai une machine privée, avec les activités personnelles, citoyens, sous machine, prend le boue de machine, puis pour la machine, disparaître avec elle, ou une moto sur motocyclette, prend la motocyclette, nous vole elle, fait n'importe quoi ensemble avec elle. C'est la preuve. Il y a un pile de tigres dominicains. Ça, c'est les petits volets qu'on a attraqué à la monde, volets dans la rue. Donc, ça, rentrer dans l'immigration volontaire. Quand on a un droit, vous avez un mandat pour fouiller quel que soit haïtien. Premier, ça que vous faites, vous volez le téléphone. Deuxième, ça que vous faites, vous fouillez dans le bousso. Troisième, ça que vous faites, vous avez une valise, vous prenez la valise là. Ok? C'est ce qui est injuste. C'est ce qui est inacceptable pour les haïtiens. Moi-même, je dis, je vais battre un gros bravo pour Dr. Claude Joseph. Même Claude Joseph a décidé pour que ça arrête là. Parce que, dans la semaine qui s'est passée, les Nations Unies demandé à tout pays qui a des immigrants haïtiens là pour qu'ils fassent camper sous déportation parce que la situation est complètement dégénérée dans le pays d'Haïti. Eh bien, ce n'est pas logique, après tout traité international qui s'y est, le pays est en crise pour nous avoir des immigrants comme si dans le pays. Et les immigrants ont quitté le pays. Pour insécurité que nous vivons dans le pays, comme soit constaté ou même comme notre pays. Les États-Unis d'Amérique ou bien les Nations Unies demandent tout notre pays, y compris la République dominicaine, pour suspendre sous déportation. Le président Luis Abinadel, 2 jours après, il prend la presse, il fait déclaration. Il dit pas question de ça. Il prend responsabilité en tant que pays qui est indépendant. Il a continué. Et a intensifié déportation contre les Haïtiens. Mais justement, les pouvait et le campé derrière. Et lui joignent une quantité dominicaine, raciste, campé derrière dans ce qu'il a fait. Et pas oublier, Luis Abinadel, très faible politiquement. Mais c'est pas un pied à terre politiquement. En République dominicaine, il faut fort qu'on ait que pour rassurer que, pour assurer que, ou bien élection en Dominicanie, ou bien 2 villes dans le pays ça, pour gagner confiance que ville ça va déplacer. Qui ville que vous y est? Capitale République Dominicaine qui c'est Santo Domingo. Capitale ça, de vous pas gagner ou pas capable de gagner élection présidentielle. Deuxième ville pays qui c'est Santiago de los Caballeros. 2 villes ça, c'est 2 villes clés que vous devez gagner dans le monde. Qui vous mettent en confiance que la bataille pour gagner élection n'est pas difficile pour vous. Mais justement, Luis Abinadel perdu une ville sa yo, qui c'est 2e ville pays ça, qui c'est Santiago de los Caballeros. Et mais justement, papa haïtien, réseau fait monsieur Pedil là, c'est parce que magistrat Santiago, 2e ville pays, République Dominicaine, monsieur candidat à la présidence, et monsieur sont racistes déclarés contre les haïtiens. C'est pas raciste pour l'autre pays, non? Raciste pour haïtiens. Monsieur Djou, publiquement, il pas vle ou haïtien. Il n'y a pas besoin d'haïtiens investi dans la ville de Santiago, bien que grand pile haïtien qui fait gros investissement club Airbnb achetant pile appartement dans ville ça monsieur dit comme ça que haïtien pas besoin construire dans ville il pas besoin haïtien monsieur montre publiquement il très comme si m'a dit direct véridique il pas besoin haïtien il pas deal avec haïtien mais monsieur joine public Santiago population Santiago qui était très très raciste contre les haïtiens. Ils ont campé dans 2 monsieur et ils ont majorité. Luis Abinadel pas dans l'autre monde pour une faire pour capital politique pour lui, pour regarder comment il était capable de gagner public ça
qui c'est peuple qui vit Santiago, Dominique qui vit Santiago. Peuple haïtien, là, politique a vu Marie 14, et qui est-ce qui a subi, c'est les haïtiens. Je salue tous les compatriotes haïtiens. Moi-même, c'est Luc Noël, ancien député de la 49e législature pour la circonscription de Wanamet. Moi-même, c'est ancien consul, tout, responsable consulat d'Haïti à Dahabon, République dominicaine, pendant un an. Moi-même, tout ancien consul encore, responsable section état civil au consulat d'Haïti à Santiago, République dominicaine. Message, ça, moi, m'a voué spécialement pour Premier ministre Ariel Henry et associé, c'est-à-dire l'autre autorité qui subalterne à lui maintenant. Nous avons mis tout le temps de voix là. D'ailleurs, ce n'est pas qu'importe qui a parlé, son ancien député qui a parlé, son ancien diplomate qui a parlé tout. Je n'ai pas gagné dans menti pour me dire que je dois dire la vérité. Le fait tout le monde connaît que c'est dans la frontière m'a vivre. PM bayo grave Saint-Domingue haïtien yo. L'aime dou bayo grave peut-être yo capable informer bayo grave. Ou tendez ça qu'a passé haïtien dans la rue. Mais ça yo quand dans fika en danger dans bay là depuis immigration chef barre yo nan rage yo toutouyé yo. C'est Luc Noël encore. Ancien député, ancien consul, qui a parlé. Ça y a eu barré dans la rage, y a eu tout trouillé, y a eu moun pa konnen yo. Me rappelle, ancien grand moun yo te kon parle m sa, pour que moi m'se moun Wanamet. En 1937, te gen sa te le coup de couteau, côté haïtien, dominicain ta point haïtien, voye l'en l'air, et puis prépare pour prendre couteau, piquel. Son bagay presque même façon qu'a passé là. Et c'est presque dans tout pays. Ya. Et ça, yon pas fait le même genre pour qui, en 1937, yon te fait libre malgré moi, vin fait 19 ans après 1937, là. C'est-à-dire 1956. Mais son bagay même genre tué haïtien qu'a fait pour le moment, que m'a pas l'avou là. Yon pas joué yon dans la rue aux yeux de journalistes. Aux yeux du peuple, tout le monde, puis au barré, on dans la gêne, dans finca, tout ça au barré, il paraît à la porte de yo, yo tué tout, et puis au chariot, il jeté. C'est ça qu'a fait pour le moment là, m'abdou là, pour le moment que m'a pas la voix là. Et m'saisit, tendez, m'pas reconnaître Claude Joseph. C'est ça le Claude Joseph, qui lance son mot en faveur d'haïtien, haïtien yo. Qu'est-ce que cela veut dire? Côté politicien haïtien yo. Nous ne parlons pas pour nous faire papier, nous. Monsieur Baye, là, pas qu'à marcher comme ça. Peuple a péri. Haïtien pareil, nous, yo, en danger l'autre bord. Yo pas tiré dans la rue, mais yo puis rejoint dans la forêt. En la fin de côté de travail, là. Yo barré, yo couru. Tout ça qui paraît à la porte de la police ou bien Guadeloupe dominicaine. Yo fusillé tout. Et puis, yo boté dans la machine à IGT. C'est ça qui a passé là, qu'on y a la République dominicaine. Changer figure d'épaule. C'est pas ni cubain, ni africain, ni jamaïcain qui a commandé. C'est haïtien qui a même ça à commandé. Faut chercher une façon pour changer figure d'épaule pour attaquer. Je ne pas dire c'est goumé ni c'est guerre. Mais il y a ce qu'on appelle la diplomatie. Nous avons une grande puissance, organisation internationale, OEA, l'ONU, même CARICOM, qui coiffe nous, qui coiffe la République dominicaine tout. Il y a des plaintes qu'on capote. Là où il y a, faut qu'on fait non. Ce n'est pas question de ni radot ni bagay. Mon grand monde 66 ans, m'fin vivre. Mais ça qui a passé l'autre frontière là, c'est grave. Sans autant de wap vivre, c'est 20%. Mais l'autre 80%, ça ne dérange pas la fête côté de tuer Mounio. Pas banné, pas paquet. Nous, ça qui a passé là, c'est synonyme de 1937. Mais ils ont fait l'autre version. Ils ont mis une couverture là-dedans que 1937 pas connaît. Mais ça qui a passé là, moi, je dis que
non moins conseil électoral Noël, ancien député, 49e législature, 2011-2015, ancien consul, responsable consulat d'Haïti à Dabon, 2015-2016, ancien responsable section état civil au consulat d'Haïti à Santiago, République dominicaine, 2016 à 2020. Premier ministre, c'est là pour profiter, nous ne pouvons pas faire la guerre. Ce n'est pas un habitant qu'on ça qui parle avant vous. Ce sont hommes de loi qui parle avant vous, anciens députés. Peuple a péri l'autre frontière. Ça, c'est un bail qui m'a indigné au monde. Peuple n'a pas qu'à vivre encore. Faut qu'on mette pied au bout, foué bouche, non mot. Pour qui façon que nous cassons haïtiens, que nous t'apprenons, venez en pilier, faites des hangars, t'as coûté 10 janvier, 12 janvier. Mettez, mon doigt soit retiré, peuple là. Faut qu'à nous, peuple a péri. Sans nous appeler. Franchement, pour le moment là, quand ça, ça t'a coûté maintenant. Soit ancien militaire, moi, si son M16, qui pour nous même, pour nous faire action, nous faire avec elle. Malgré mon préféré diplomatie, ah oui. Mais, bah, l'indigne, bah, la frappe. Cherchez informer toujours, il y a 12 jours, ça qui a passé. Merci beaucoup, tout le monde.